faut retenir de ce match? Bah écoute, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord en premier lieu la victoire, et puis je pense une belle continuité, notamment sur la deuxième mi-temps, sur la défense. On laisse cette équipe, la troisième attaque du championnat, à 59 points. On les avait laissés à 55, je crois, au match aller. Donc, d'autant plus que là, en première mi-temps, on en avait encaissé 34, et on avait donné quelques tirs à 3 points, et donc les joueurs ont vraiment bien corrigé. C'est ça, je pense que c'est principalement ça. Après, c'est vrai qu'on a eu quelques difficultés au niveau de nos pertes de balles notamment, mais c'est pas incongru, c'est une équipe qui perd beaucoup de ballons aux autres équipes avec cette défense match-up un peu mixte et tout ça. Mais on s'en est quand même pas trop mal tiré, et notamment sur cette deuxième mi-temps, je suis très satisfait des garçons. Justement, ces pertes de balles, c'est plus un manque de concentration ou vraiment une défense des deux côtés qui a été soutenue? Il y a les deux, il y a les deux. Enfin, concentration, c'est pas une problématique de concentration. Concentration, les joueurs le sont, c'est une problématique d'anticipation du jeu souvent. Et c'est vraiment le mot que les joueurs entendent le plus. Pour pouvoir faire les bons choix, il faut les avoir anticipés dans la seconde, dans les deux secondes qui précèdent. Et là-dessus, on a encore beaucoup de travail à faire. Et qu'est-ce qui a fait vraiment la différence ce soir du coup? Et je pense, comme je vous le disais, je pense que la vraie grosse différence, c'est qu'on a bien resserré notre niveau défensif, qui est notre marque de fabrique. Et on a pu, en première mi-temps, on a commis quelques erreurs. On en a recommis un petit peu en fin de match aussi, on a vu. Mais globalement, voilà, c'est quand même un match très dense sur l'aspect défensif et dans la continuité. C'est-à-dire qu'on a eu peu de trous d'air au niveau défensif. Et je pense que aussi physiquement, Pornic a eu un petit peu de mal sur la durée.